Maintenant, on va vous montrer les contrôleurs à l'intérieur de l'auto. Il y en a trois. Donc d'abord, ici pour la puissance à la cellule à l'hydrogène. Ici, c'est l'ampérage que la cellule tire. Avoir un œil là-dessus. Après ça, si on va au niveau des contrôleurs d'huile, on a l'élément chauffant ici qui chauffe le carburant avant de rentrer. Puis on a aussi la pression dans l'injection. Donc s'il y avait... Tableau de bord, je vais me déplacer un peu pour que... OK. Donc ça... Ça permet de savoir si c'est un problème, si un... dans le fond de l'air qui rentre dans la ligne ou si c'est parce que le filtre est bouché. C'est les deux problèmes qu'on peut avoir avec l'huile végétale. Donc maintenant, si on descend un petit peu en bas, encore plus, on a vraiment les relais qui permettent de transférer le courant à partir des switches qui sont commandés par la clé. Donc quand le moteur est à off, quand la clé n'est pas là, c'est impossible que les systèmes marchent. Donc il n'y a aucun danger d'explosion avec la cellule. Donc c'est un petit peu ça, le panneau de contrôle.